Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Voici une bonne salade asiatique faite avec des nouilles, des pois chiches et d'autres légumes. Une salade qui est assaisonnée avec une bonne vinaigrette, c'est un régal. J'espère que vous allez l'essayer. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Commençons par les nouilles. J'ai déposé une casserole remplie d'eau sur un feu. J'ai mis un peu de sel. Puis, une fois que l'eau commence à bouillir, je mets les nouilles à l'intérieur. C'est important de s'assurer que l'eau bout pour mettre les nouilles. Alors, je les fais cuire après pendant 3 minutes, 3 à 4 minutes maximum. Mais après 2 minutes de cuisson, je prends une spatule et je mélange pour défaire les nouilles. Je continue ainsi jusqu'à ce que toutes les nouilles deviennent légères. Puis, je les laisse cuire surtout. Après ce temps de cuisson, j'éteins le feu et vu que les nouilles, c'est des pâtes qui cuisent vite, donc je prépare un récipient rempli d'eau froide juste à côté. Je les transfère à l'intérieur pour arrêter leur cuisson. Je fais ainsi avec toutes les nouilles et surtout, je m'assure de les mettre dans cette eau froide. Juste après, c'est important de les égoutter surtout pour les débarrasser de toute cette eau. Si vous pensez qu'elles ne sont pas complètement froides, vous pouvez les rincer à l'eau du robinet, surtout les laisser s'égoutter avant de les utiliser dans vos recettes préférées. Avant de préparer notre salade avec ces nouilles, la première chose que je fais, je prépare la vinaigrette. J'ai pris un petit contenant, je mets une gousse d'ail râpée. J'ajoute 3 cuillères à soupe de jus de citron, une vinaigrette qui est très goûteuse que vous pouvez utiliser dans toutes vos salades préférées. Juste après, j'ajoute aussi 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Par la suite, j'ajoute 2 cuillères à soupe de sauce soya qui est un condiment important dans la cuisine asiatique. Et j'ajoutais 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme que vous pouvez remplacer par le vinaigre de riz. Et j'ajoute 2 cuillères à soupe de miel pour adoucir cette vinaigrette. Le dernier ingrédient, une pincée de poivre noir qui rehausse le goût de cette vinaigrette. Je n'ajoute pas surtout de sel car on a mis la sauce soya qui est salée. Je mélange bien. Et je couvre, je laisse de côté la vinaigrette jusqu'au moment de l'utiliser. Puis, je passe aux ingrédients de la salade. J'ai une canne de pois chiche que j'ai bien rincée puis égouttée de 350 ml avec un peu de jus de citron, un grand concombre, un poivron jaune, un autre orange, un avocat, j'ai une grande carotte et j'ai les nouilles qui est déjà pré-cuite et bien égouttée. Une cuillère à soupe de sésame, de graines de sésame jaune et une cuillère à thé de graines de chia. Vous remarquez qu'on n'a pas beaucoup d'ingrédients dans cette salade. J'ai pris soin de couper tous les légumes. J'ai commencé par les poivrons en petits morceaux. L'avocat, c'est important après l'avoir coupé en petits morceaux de l'arroser de jus de citron pour préserver sa couleur. J'ai aussi coupé le concombre en dés et surtout j'ai râpé la carotte. Après cette étape, vous pouvez couper et préparer les légumes à l'avance, puis faire le montage juste au moment de servir cette salade. Disposez tous les ingrédients dans un récipient qui est large. Une fois que c'est fait, regardez les belles couleurs de cette salade. Puis je prends la vinaigrette, je mélange bien celle-ci avant d'arroser toute la salade. Et de m'assurer à ce que chaque ingrédient dans cette salade soit bien imprégné de cette vinaigrette afin de leur donner du goût. Puis je finis avec les graines de sésame et les graines de chia. Je mélange bien le tout et la salade est prête à être dégustée. Voilà, en quelques minutes, vous réalisez une salade asiatique avec des nouilles et d'autres légumes, surtout arrosée d'une savoureuse vinaigrette. Une salade variée qui est un bon choix pour un lunch équilibré. J'espère qu'elle est à votre goût. Merci de me suivre, prenez soin de vous et à la prochaine!